Rainbow Six Extraction. Donc on va passer, allez, peut-être une petite heure, je vais un peu vous montrer les choses un peu plus en détail. Après avoir joué une centaine d'heures, enfin voilà, j'ai un peu joué au jeu, donc j'ai un peu débloqué des choses. Donc je voulais un peu vous, tout simplement vous montrer plus en détail le jeu. Tout simplement en fait, car j'ai envie de vous montrer ça, parce que je trouve que c'est un bon jeu, et puis voilà, basta, hein, voilà. Et au bout de peut-être la petite heure, enfin au bout de cette vidéo, je pense que vous aurez une bonne idée, en fait, si c'est pour vous ou pas. Voilà, c'est pas que le jeu est mauvais, c'est que ça peut ne pas être pour vous du tout. Mais si vous avez une idée floue du jeu, bah, j'espère que je vais pouvoir gérer ça et vous rendre les choses un peu plus claires. Donc on va jouer strictement en solo. On va pas prendre de random pour pouvoir vous montrer les choses. On va faire quelques parties et tout ça. Donc ça, c'est les agents que j'ai, c'est ceux que j'ai augmenté. Personnellement, j'ai un petit faible pour... Afinka, elle est sympathique. Bon, elle apporte pas énormément de choses, mais elle est très simple à jouer. Elle est cool. Juste quand il y a du combat, vous boostez tout le monde pour éviter que les gens se prennent des dégâts et tout ça. J'aime beaucoup. Il y a Lyon, ça reste quand même mon préféré. Parce qu'en fait, il marche partout. Il marche partout et vous pouvez la jouer un peu à la Call of Duty, honnêtement. Parce que vous voyez les ennemis à travers les murs et tout ça. Et il a une méga arme que je vais changer le skin au passage. Parce que c'est pas vraiment top. On va mettre ça. Voilà, le officiel React. C'est joli comme ça. Il a le HK 417. Enfin, c'est pas vraiment le nom officiel. Bon, bien, c'est un HK. Ça fait mal, mais alors ça fait mal, et en plus dégâts 69, donc nice quoi. Ça fait mal, j'adore Lyon. C'est quand je veux jouer un peu Call of Duty dans Rainbow Six en fait que je le prends. Mais après ouais, donc en gros, pour conseiller en fait comment ça se passe et tout ça, je conseille de voir un peu les personnages que vous avez, que vous préférez en fait, avec lesquels jouer. Parce qu'il y a des habilités qui sont utiles dans certaines circonstances, il y a des habilités qui sont moyennes dans toutes les circonstances. Et il y en a qui sont plus ou moins inutiles, genre 99% du temps, mais vous allez avoir une mission... Genre, je sais pas, faire péter des nids. Vous allez prendre Fuse, il va mettre des bombes sur un mur, il va exploser toute la salle en une fois. Voilà. Mais sinon, le reste du temps, c'est très chiant à placer, c'est très long, c'est pas... Il faut vraiment réfléchir où le placer et tout ça. Ouais, donc 99% du temps, c'est pas vraiment utile. Mais il y a des missions ou des salles qui vont être remplies de gros monstres où Fuse va faire tout péter. Et ça va être la star, en fait, de l'équipe. Donc voilà, donc cherchez, trouvez votre personnage, et prenez du temps, regardez bien... les progressions en fait des habilités, parce qu'il y a certaines habilités où vous pouvez avoir une petite vidéo où on vous montre. Donc prenez un peu de temps à lire tout ça. Alors, je vous conseille. Vous voyez, donc là vous voyez ce que ça fait et tout ça. Donc vraiment sympa. Après pour les jeux, alors j'aime beaucoup le multijoueur en fait. Il est très très bien fait, bien expliqué, et il marche très très bien. Alors on va même mettre de côté que le truc est cross-platform, cross-progression, cross-save et tout ça, tout ce que vous voulez, donc déjà c'est très bon. Il y a des gens quand même qui m'ont dit, par exemple sur Alien Fireteam Elite, qui est sorti il y a quelques mois, et honnêtement, Rainbow Six Extraction et Alien, c'est exactement les mêmes jeux, sauf que la différence c'est qu'il y a une équipe qui sait très bien travailler et bon, il y a un peu plus de budget évidemment, hein, c'est donc Rainbow Six, il y a un peu plus de budget. Après c'est vrai que c'est un mode sur un jeu qui existait déjà, mais on peut prendre Metal Gear Survive qui est aussi un dérivé de Metal Gear Solid 5 il y a quelques années de ça. Le gameplay était extrêmement bon et tout en fait au final. Pourquoi? Parce que c'était tiré d'un jeu qui existait déjà et qui était très très bon, et Rainbow Six c'est exactement la même chose. Donc Alien partait déjà avec une pénalité, mais... ils ont fait énormément d'erreurs, et beaucoup de gens me disaient « Oui, je te trouve un peu dur, en fait, dans ce que tu dis sur Alien. » Mais non, je suis pas du tout dur. Je suis même trop gentil, honnêtement. Je suis même trop gentil, parce qu'après, on nous pond des jeux comme Rainbow Six Extraction, exactement pareil, à 40€, parce que Alien est aussi à 40€. Donc, c'est les jeux, c'est du même calibre, dans un sens, mais on voit que la qualité... est nettement pas là pour Alien. Donc pour le multijoueur, donc vous avez 4 grosses zones séparées en 3 petites zones.
Et ce qui est sympa, c'est que donc vous avez 4 niveaux de difficulté. Donc modéré, dangereux, grave, critique. J'aime pas trop les noms en français, mais bon. Ça, en gros, c'est, j'ai envie de dire, normal, difficile, très difficile et hardcore. J'ai envie de, pour moi, c'est ça. Alors déjà, ça c'est bien fait. Et aussi, la communauté, en fait, elle est pas, on va dire, coupée en plusieurs. Bon, il y a le matchmaking et tout qui marche très bien. Et vous pouvez jouer seul dans Fireteam, dans Alien Fireteam, par exemple. Je vais faire beaucoup de comparaisons, hein, donc ça va être ça souvent dans la vidéo. Mais bon, comme ça, vous avez une bonne idée. Vous pouvez pas jouer seul. Quand vous jouez seul, en fait, on vous met des bottes de merde qui servent strictement à rien, mais le jeu n'est pas plus facile et pas, en fait, pas, c'est pas qu'il est facile, il est pas géré pour jouer seul, Alien Fireteam. C'est ça le problème. Alors que Rainbow Six Extraction, oui, il est très très bien ficelé, en fait, que pour jouer seul, à deux ou à trois, et c'est ça qui est vraiment bien. Donc si vous voulez jouer avec des randoms et tout ça, vous faites donc partie rapide. Donc la première zone New York est basée sur la difficulté modérée. La deuxième, elle est basée sur dangereux, bien sûr, la troisième, grave, et la quatrième sur critique, donc la plus élevée. Donc déjà, c'est très simple, donc les communautés vont pas être genre des gens qui veulent jouer en modéré, tout ça, des gens qui veulent jouer en critique et tout. Déjà là, c'est beaucoup plus simple pour trouver des gens, vous allez toujours être full à 3, si vous faites partie rapide. Après, si vous voulez jouer à 1 ou à 2, on va éviter de parler du 3, parce que ça c'est une partie complète. Donc si vous voulez jouer à 1 ou à 2, vous pouvez, avec un pote évidemment, vous allez pouvoir en fait choisir les sous-zones, et vous allez choisir en fait votre difficulté. Et là, comme c'est écrit, accéder directement à une zone critique lance une excursion adaptée à la taille de votre escouade. Et elle est extrêmement bien faite. Parce qu'il faut comprendre que la difficulté en fait dans le jeu, elle n'est pas basée sur le nombre de munitions, elle n'est pas basée sur le nombre de PV des ennemis, elle n'est pas basée sur le nombre de dégâts qu'ils vous font. Non, elle est basée en fait sur la complexité des missions, le nombre d'ennemis qu'il y a dans la zone, et en gros un peu leur agressivité. Parce que j'ai vu quand même qu'ils étaient un peu différents quand on joue en critique, ils sont beaucoup plus, ils vont vous foncer dessus plus souvent au lieu de vous regarder, et c'est ça qui est vachement bien, parce que encore une fois, Alien Fireteam, on va partir en trophée conséquence et on va partir en modéré juste parce que je vais parler en premier et vous montrer un peu quelques trucs. Le truc, c'est que vous allez, la difficulté, elle est bien gérée, parce que encore une fois, dans Alien, le gros problème de Alien, c'est que vous aviez genre moins de munitions si vous montez en difficulté, les armes faisaient pas plus de dégâts, donc du coup genre il faut 10 balles pour tuer un truc, bah du coup vous avez genre 5 balles à la place de 10 parce que les munitions sont abaissées, les munitions max en plus, hein. Donc c'est vraiment une catastrophe. Les ennemis deviennent des éponges à HP, des éponges à balles, c'est une horreur pour tuer quelque chose, et ils vous font extrêmement mal et vous avez moins de soins. Donc la difficulté, elle vient tout de là, en fait. Vous n'avez même pas rencontré un alien que déjà c'est difficile de jouer, parce que vous n'avez pas de munitions, vous n'avez rien, en fait. Là, non. Là, vous mettez une balle dans la tête à un ennemi, que ça soit en modéré ou en critique. Si c'est un ennemi genre dard, écorcheur et tout ça, ça c'est les monstres de base, hein, évidemment. Ils vont mourir, tout simplement, avec une balle dans la tête. Point barre. C'est pas, la difficulté, elle vient pas des HP des monstres et tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Ça, c'est des difficultés qui sont réfléchies. On va prendre... je sais pas, je vais vous montrer... Non, je vais vous montrer un perso niveau 1 et on va le perdre à la fin. Et je vais vous montrer comment on récupère son perso et tout ça. Cette mécanique-là, elle est vraiment bien. Donc on va prendre lui, je sais même plus ce qu'il fait. Ah oui, il a le radar, je crois. On va prendre... Donc vous voyez que là, on a info excursion. Donc on a de la traque, du sauvetage et du marquage de nid. Alors, la traque, c'est du combat. Le sauvetage, c'est de l'infiltration. Et le marquage de nid, c'est aussi de l'infiltration. Donc là, on aurait combat, infiltration, infiltration. Après, il y a de la défense de points. Donc ça serait défense, infiltration, tout ça. Donc là, on va tout simplement s'équiper. Vu qu'on a du combat, mais on a surtout de l'infiltration. Les paralysantes, j'aime bien. On va pouvoir utiliser le gros drone et tout ça. Alors lui, je ne l'ai pas du tout augmenté. Mais après, je vais le perdre genre à la troisième zone. Comme ça, je vous montrerai comment on récupère nos personnages et tout ça. Donc là, on est parti. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir l'équipement en fait de tout le monde et tout ça dans l'équipe. Donc ça, c'est cool. Donc en gros, c'est comme ça. Vous voyez en fait le type de mission que vous avez à faire. Et après, vous équipez en conséquence. Encore une fois, je sais que les gens qui jouent à Siège vont connaître énormément plus de choses que moi. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas d'idée en fait de comment ça joue Rainbow Six et tout ça. Donc ça, c'est quoi son truc? Donc ouais, lui, il peut voir les nids, je crois, à travers les murs, voilà. Et il va pouvoir voir aussi les VIP. Ah bah tiens, on a déjà localisé un des ennemis.
Voilà. Une balle dans la tête, le truc est mort. Voilà, tout simplement. Et que ça soit en critique ou pas, ça sera exactement la même chose. Et on a ça aussi, mais je vais pas en parler, c'est cool. Donc voilà. Et on a le petit gadget. On va pouvoir le balancer. Hop là. La petite voiture qui va marquer en fait. Qui a un aura autour d'elle qui marque en fait. Elle a un détecteur automatique. Là, on a du soin, très bien. Là, on a des nids. Hop, poum, poum, poum. Ça va rester marqué pendant un petit moment. Je crois que c'est une trentaine de secondes peut-être, hein, peut-être un peu plus long. Hop. Ah. Saute, casse-toi, voilà. Casse-toi là à la fenêtre. Donc voilà, on va pouvoir avancer. On est en modéré honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup moins d'ennemis et tout ça. Donc ça, c'est pas très très compliqué. On va le rappeler drôle. Hop là, let's go. On va pouvoir prendre des munitions. Les munitions aussi, on n'est pas limité. Donc vous voyez que là, j'en ai 185 en réserve pour le fusil à pompe. À des moments, j'avais une mitraillette, je suis monté à 2000 de munitions. Si je fais que continuer à prendre en fait les munitions par terre, ben, je peux monter à l'infini. Et c'est ça qui est bien, ça, parce que vous n'êtes pas limité en fait dans le gameplay. Donc ça, c'est vraiment cool. Et si vous voyez que, par exemple, vous pouvez zapper les zones. Aussi, en parlant de zapper les zones, ça aussi c'est bien. Parce que vous voyez, en fait, ça c'est l'extraction. Donc à tout moment, je peux quitter le... Si ça se passe mal, imaginons qu'on a commencé la mission, qu'un de mes potes s'est fait voir, il s'est fait down et tout, très vite. On est au début de la mission, on dit, bah, on part. Mais on part pas genre, on fait pause, on quitte et tout ça. Non, non, on s'extrait. Donc on récupère notre personnage, on gagne quand même de l'expérience sur ce qu'on a fait. Et on peut relancer la partie. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et après, si je veux donc ne pas faire la mission, donc qui est la track par exemple, je peux directement aller au SAS et directement passer à la deuxième mission. Et ça, c'est vraiment cool, en fait, ce système dynamique, en fait. Parce que par rapport à comment se passe votre mission, si vous avez fait des conneries, ou si ça se passe mal, ou alors si ça se passe très bien, vous pouvez continuer, en fait, d'explorer, ou alors vous zappez complètement la mission, et vous allez à la deuxième zone, qui sera beaucoup plus simple, ou alors, si vous voulez la finir très vite. Et ce qui est bien, c'est que c'est pareil aussi quand vous... Cool. Aussi, si jamais vous voulez faire une mission en particulier, donc par exemple sauver votre soldat Ryan, et ben là vous allez pouvoir en fait zapper tout ce. Eh mais il est dans le sas le truc. Ah, intéressant ça. Tiens. Intéressant. J'ai eu un élite dans le sas. Ok, il a pas alerté, ça va. Je très très bien. C'est marrant ça. L'élite était dans le sas. Intéressant. Première fois que je vois ça. Ça doit être complètement aléatoire. Pour ça. Ah, l'élite qui a alerté, mais c'est pas grave. Alors l'élite, bien sûr, a plus de vie, mais on peut faire ça. Attends, d'abord, toi, comme ça. Voilà. L'élite avait changé d'avis sur le fait d'appeler des renforts. Et voilà, on a fini. Et maintenant, c'est trop tard. Voilà, très bien. Et là, on voit que les nids, en fait, sont activés. Et c'est comme ça, en fait, que la difficulté du jeu fonctionne, en fait. C'est pas parce que les ennemis, en fait, sont ultra puissants et que ça va vous foutre dans la merde ou quoi que ce soit. Ou c'est pas des éponges à balles et tout ça. Non, c'est parce qu'en fait, vous voyez que les nids, en fait, sont activés. Ils font des petites particules, comme ça. Et en fait, ils vont continuellement vous balancer des monstres. Et ils vont répandre, en fait, leur boue aussi. Vous voyez qu'il y en a beaucoup plus partout, en fait. Donc ça va vous ralentir et tout ça. Et c'est là en fait d'où vient la difficulté du jeu. Merde. Voilà. Je lui faisais mal avec mon rayon, donc du coup il bougeait. Alors là on va pouvoir prendre de la tech. Là il y a sûrement un nid, voilà. C'est pour ça qu'il y a trop de boue en fait. Donc là lui aussi il est activé. Lui comme j'ai dit, voilà, il a lâché un monstre. Merde. La tête. Là il a lâché un monstre. Et il faut les détruire pour arrêter ça en fait, tout simplement. Et là, du coup, on est repassé en normal. Il n'y a plus de monstres alertés, il n'y a plus de nids alertés, donc on est tranquille. Passer à la sous-zone suivante. Voilà, très bien. Il n'y a plus rien d'intéressant ici. Et pour ceux qui aiment bien nettoyer, je pense que vous allez aimer le laser. C'est cool. Et il fait des dégâts aussi sur les ennemis.
Pour ceux qui sont curieux, donc du coup ça vous fait un petit extra DPS en fait, donc c'est plutôt sympa. Donc là je peux donc tout simplement passer à la zone suivante ou continuer un peu d'explorer en fait la map pour pouvoir trouver genre plus de munitions ou plus de gadgets, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment cool, ou alors même pour recharger mon spécial. Bon moi celui-là, là j'ai un perso qui n'a pas besoin de se recharger, il l'a tout le temps en fait. J'aime bien le petit bip. Enfin, pas le bip, le petit tac en fait, ça rappelle un peu Alien. Vous savez, le détecteur dans les aliens qu'on n'a pas vraiment en fait dans Fireteam parce que le jeu, voilà, il a voulu prendre le côté bourrin au lieu que ça soit un truc un peu horreur, enfin bref, c'est pas grave. Mais voilà. Enfin, voilà, on a trouvé de l'aptitude. Bon voilà, moi j'ai pas besoin de l'aptitude, mais on a de l'aptitude si on veut. Donc on va continuer. Aussi, alors la vie, comme j'avais expliqué dans ma première vidéo, la vie c'est mes 100 points en fait en blanc, en bas à gauche. Donc j'ai 100 sur 100. Et après, toute la vie que je récupère, en fait, ça va être du surplus. C'est pour ça qu'elle est en bleu. Et elle est momentanée. Ça veut dire que quand je vais sortir, mes PV vont revenir à 100. Ce ne sont pas mes vrais PV en fait. C'est comme une sorte de gilet pare-balles, j'ai envie de dire, de PV. Voilà, là on prend des grenades. Donc là j'ai 8, si on regarde en bas à gauche, j'ai déjà 8 grenades. Qui paralyse. Donc c'est énorme. Et pour les munitions, ça va. J'ai 400 balles de pompe. Pareil pour le pistolet. Enfin voilà quoi. C'est très très bon. Et là, on passe donc du coup à la zone suivante. Donc on doit faire un sauvetage. Donc là, c'est de l'infiltration. Donc le mieux, c'est de pas se faire voir. Aussi, ce qui est intéressant, on va se mettre là pendant que je me balade avec le drone. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les ennemis en fait vont quand ils vous voient, ils vont donc faire une sorte de cri qui va alerter tout ce qui est autour d'eux dans un certain périmètre, genre une vingtaine de mètres, un truc comme ça. Donc ils vont activer les nids, ils vont commencer à cracher des monstres en boucle. Et voilà. Mais c'est pas toute la map en fait qui va être alertée. Donc là aussi, encore une fois, vous pouvez complètement gérer s'il y a un problème. Par exemple, on sait que bon, ces monstres-là, on leur met une balle à la tête, ils meurent directement, donc c'est pas vraiment un problème. Ça, ce sont des dards. Mais si vous avez plus gros, par exemple une sorte de tourmenteur ou un truc un peu plus gros, vous pouvez complètement vous coordonner genre avec un copain, prendre une arme genre sans silencieux, genre un truc qui fait bien mal, et vider un chargeur dedans. Bon bien sûr le truc il va prendre quelques secondes à mourir, mais bon, à deux avec un chargeur dans la tête, le truc il va sûrement mourir, ça va faire du bruit, donc les monstres vont sûrement rappliquer vers votre périmètre, mais ils vont pas alerter. Ils vont pas semer l'alerte parce qu'ils vous ont pas vu. Ils ont juste entendu du bruit. C'est pareil pour tout ce qui est explosif. Genre s'il y a des monstres explosifs et que vous le faites péter, les ennemis en fait qui ont entendu ça vont venir voir où ils ont entendu cette explosion, mais ils vont pas alerter. Donc encore une fois, c'est bien dosé tout ça. Donc là, on a notre scientifique et il a des copains qui lâchent des mines. On va laisser le drone là, on va y aller. C'est parti. Là on a des spores, donc là les spores ils se collent à vous. Je vais le montrer. Là, ils se collent à vous. Mais si vous êtes seul, qu'il n'y a personne en fait pour vous taper ou pour vous enlever les spores, vous pouvez utiliser les grenades. Voilà. Donc ça marche avec les flashbangs, ça marche avec les grenades paralysantes. Et vous voyez que là j'ai fait du bruit, donc là ils viennent. Donc faut faire attention. Mais ils n'ont pas donné l'alerte. Donc on peut gérer ça. Et aussi du coup le nombre d'ennemis en fait est limité. C'est pas à l'infini. C'est pas voilà, c'est pas handicapant en fait. Ils sont allés où? Je sais pas. Peut-être là. Ils ont refait le tour. Genre pendant que je faisais le tour, ils ont fait le tour. Je sais pas. Ils sont partis quelque part. Ils doivent se balader. Ah, il y a encore des trucs. Tiens, là. Ah putain, j'en ai encore sur moi. Ah, très bien. Là, il y a un nid, je l'entends, très bien. Ok, maintenant. Ah, bah, ils ont dû faire le tour. Il y en a un qui revient. Donc, vous voyez, moi, j'aime beaucoup cette difficulté où c'est vous, en fait, qui allez créer cette difficulté. Vous voyez, c'est pas le jeu qui est difficile, non, non. C'est vous, parce que vous avez merdé, parce que vous êtes fait voir, parce que vous avez mal jugé vos actions, en fait, dans le moment présent. Et c'est ça qui va gérer, en fait, la difficulté du jeu.
Et ça, je suis assez fan. Je suis très très fan, en fait, de ce genre de difficulté. C'est pas le jeu qui... Le jeu est un challenge, mais le jeu ne met pas des difficultés débiles. C'est vous qui les mettez, en fait, au final. C'est par rapport à ce que vous faites. Bon, mon dieu, la tête, quoi. J'aurais pu aussi m'infiltrer derrière lui et le taper, hein, évidemment. Y a aussi, après, les mécaniques de siège. Donc, par exemple, on peut barricader les fenêtres. Fenêtres barricadées. Et les murs qui se cassent. Ça se casse, ça? Oui. Donc, on peut les barricader aussi. Donc, on a trois barricades chacun. Et après, si vous récupérez de la Tech React, vous pouvez en récupérer trois autres. Et ça, c'est vachement utile si vous avez de la défense. Bon, là, on n'a pas de mission de défense. Mais si jamais vous avez des objectifs de défense, ça, c'est très, très, très utile. Quand on est en solo, on peut examiner des endroits comme ça. Et vous avez un peu de l'or. Donc voilà, vous avez un peu de l'or quand vous jouez en solo, et c'est strictement que en solo par contre. J'ai remarqué ça. Donc on a notre truc là. Donc on a, voilà, on est juste là, on a deux bestioles et on a un nid ici. Encore des petites bestioles, on va rappeler le drone parce qu'on a plus de batterie, donc on va essayer de gérer. Genre là par exemple, vous voyez que, bon, je peux le tuer lui à travers le mur. Lui aussi je pense. Ouais, lui aussi il est exposé. Si vous aviez fuse... Là, c'est le moment d'utiliser Fuse, par exemple. Après, il y a une chose aussi comparée à Alien. Alien, par exemple, la difficulté vient du fait que vous n'ayez pas de munitions. Donc ça, c'est déjà de 1. Et après, la difficulté de Alien vient au fait que vous faites extrêmement mal à vos coéquipiers. Donc vous avez même pas... Des fois, vous avez même pas envie de tirer ou quoi que ce soit parce que vous allez tuer, en fait, vos coéquipiers et tout ça. Et la difficulté vient de ça, en fait. Vient du friendly fire. Alors, je veux bien que ça soit réaliste. Mais honnêtement, quand vous avez des armes genre mitraillettes qui font pas de dégâts, où il vous faut 3 milliards de balles pour tuer quelque chose et que vous en avez pas déjà, hein, parce que, encore une fois, la difficulté d'Alien, c'est comme ça qu'elle est gérée, c'est avec le nombre de balles, c'est compliqué, donc vous allez utiliser genre des lance-roquettes ou les lance-grenades et tout ça, mais du coup, ça augmente les risques de tuer des alliés. Donc du coup, bah, c'est pas fun. Au final, c'est vous amusez pas, vous êtes obligé d'utiliser certaines armes et pas d'autres, et genre 5 armes sur 20... peut-être, ou 25, sont utiles, au final. Et ça, c'est triste, en fait, dans Alien. Alors que là, tout est utile, tout est bien. Ça dépend de ce que vous aimez et votre style de jeu. Genre, lui, il va s'exciter, mais il nous a pas vu. Donc, on est tranquille. On va y aller au fusil à pompe, même. Bah, merde. Ah, il est parti de là. Ah, il est là. Il m'a vu. Ah, il m'a vu. J'ai rien dit. C'est bon, il est mort. Il est mort, donc on va détruire les nids qui ont été activés et on est bon. Il y a lui aussi qui a été activé, on le voit. Et puis voilà, on est tranquille. Ça, c'est une mine. Voilà, et si on s'était fait voir avant... que je sécurise, en fait, le scientifique, le VIP, ils auraient commencé à taper le VIP, donc c'est pour ça que là c'est vraiment de l'infiltration, il faut vraiment faire de l'infiltration, sinon vous êtes dans la merde. Et ça va, crie pas, ça va, tout va bien. Donc on prend le scientifique avec nous. La ressource. Très bien. La ressource qui tousse un peu, donc du coup ça va un peu alerter les gens, en fait, quand vous passez à côté de certaines salles et tout. Qu'est-ce que j'ai à louper les têtes? Désolé, hein. Je suis mieux quand même, hein. Je suis nettement mieux que ça, mais le truc il est à 3 cm, je loupe la tête, quoi. Incroyable. J'aime beaucoup aussi parce que l'escorte, en fait, est pas chiante, genre par exemple, on va le laisser là par exemple. L'escorte est pas trop chiante parce qu'on se déplace très vite. Le scientifique, il va se mettre où on veut. On va pouvoir le récupérer, vous voyez. Après, bien sûr, on peut pas utiliser l'arme principale, on peut pas utiliser les grenades ou même son habilité. On est verrouillé parce que voilà, on transporte un colis, quoi, en gros. Mais on se déplace quand même assez vite. Donc c'est pas... Voilà. Donc c'est pas très chiant, en fait. Même les escortes. Donc ça, j'aime beaucoup, moi.
Par contre, on doit aller à l'extract qui est là-bas. Je sais pas par où on passe. Montre ton point faible. Voilà, merci. Faut tirer dans les points faibles, évidemment. Ça fait extrêmement mal. On va passer par là. On y est. C'est bon. Et pour vous parler aussi de la difficulté, parce qu'on parle un peu de difficulté là, genre, est-ce que je peux vous montrer le marquage de nid? Normalement, c'est 5 nids qu'on doit marquer quand on est à 5. Quand on est à 3, pardon. Elle est où le sas? Ça, si, là-bas. On devrait rejoindre le sas. Là, il y a un nid, ouais. On va foncer un peu. On va même faire un peu de bruit sur le passage si jamais il y a du monde. Mais je crois que j'ai tué tout le monde. Reviens! Voilà! Bienvenue sur Terre! Personne dans le sas, ça va. Il faut faire pareil dans la prochaine sous-zone. Voilà, aptitude et tout ça. Tech. Voilà, on est revenu à 7 de grenades. On a du soin et on va passer là. Donc je crois que ça va être 3 nids à marquer. Et je crois que c'est 5 quand on est à 3. Et il y a des choses comme ça, genre il y a des nids anormaux aussi à détruire dans un des objectifs. Et vous devez en détruire 15. Et quand vous êtes seul, je crois que c'est seulement 5. Et après, quand vous êtes 2, c'est 10. Etc, etc. Donc la difficulté du jeu, en fait, est très très bien dosée. Il y a aussi des endroits à protéger. Où vous avez des points où vous devez vous réunir, en fait, à 3 sur le point donné. Comme ça, la barre, en fait, augmente plus rapidement, évidemment, si vous êtes à 3 dessus. Et ce qui est bien, c'est que même ça aussi, ça a été géré. Ah oui, merde. Ça a été géré pour une personne. Donc si vous êtes solo, bah, vous irez aussi vite que si vous étiez 3 dessus. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, il y a quelqu'un à l'intérieur. Voilà. Voilà, très bien. Donc il y a tout, en fait, qui est très très bien pensé niveau difficulté. Donc vous pouvez complètement jouer seul. Vous pouvez vraiment jouer seul si vous voulez. Bien sûr, évidemment, ça casse un peu le but du jeu. Hein. C'est pas vraiment ça le but du jeu. Mais si vous voulez, ouais, vous pouvez complètement jouer seul à Extraction. Ça, c'est vraiment cool. Et avoir une expérience de jeu extrêmement bonne. Extrêmement bonne. Hop là. Non, on s'en fout. On va marquer les nids, puis après, je vais me laisser crever. Pour vous montrer. Par contre, on est full vie. Ça va prendre un peu de temps de se faire taper. Enfin, quoique les ennemis font quand même mal. Hein. Les ennemis font quand même très très mal. Ça. Non, je crois qu'il y a un truc visqueux. Ouais, il y a un truc visqueux. On a assez de données. Ça va nous aider à découvrir ce que le parasite nous cache. J'avais vu, il y a quelqu'un ici. Non, ici. Bonjour, je voudrais mourir, s'il vous plaît. Ah, ou peut-être que je peux lancer l'extraction sans m'extraire, peut-être. Je vais voir si c'est possible, j'ai jamais testé. On va foutre la merde, c'est pas grave. Enfin, s'il nous voit, il nous voit, c'est pas grave. Passe très bien. Est-ce que je peux faire ça? Jamais testé, du coup je teste un truc. Genre extraction et je m'éloigne de la zone, en fait. Fermeture sous zone en cours. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Donc là, mon perso est perdu. Donc ça, la mousse là, c'est de la protection, en fait. Parce que les monstres, en fait, ils sont hautement toxiques et ils peuvent vous contaminer et tout ça. Donc du coup, si jamais vous êtes, entre parenthèses, mort hein, dans le truc, vous avez de la mousse automatique qui se met et du coup, votre perso est on va dire, préservé et il ne devient pas un monstre. Donc là, on a augmenté le perso de niveau et on peut voir les stats aussi. Alors après, moi j'aurais bien voulu dans les stats de voir les types de monstres qu'on tue, mais il y a des trucs en fait vachement bien, genre par exemple, ah merde, je sais pas si, oui, élimination par scan, genre par exemple scanner les ennemis
Et si quelqu'un tue les ennemis scannés, en fait, ça va vous rapporter des points. Donc même là, vous allez pouvoir en fait jouer passif. Parce qu'il y a beaucoup de jeux aussi à points, genre les Call of, les trucs comme ça, les FPS entre, en général, où ça crée des problèmes si vous jouez genre support. Genre si vous soignez les gens, si vous spottez les gens de loin. Vous allez souvent avoir beaucoup moins, voire trop points de moins en fait, par rapport à quelqu'un qui fonce dans le tas et qui commence à tuer des gens. Alors que vous, votre boulot en fait est extrêmement important. Vous voyez ce que je veux dire dans ce type de jeu ? Mais là non, au moins honnêtement, Extraction est bien pensé. Par exemple moi dans mon Discord, j'ai un ami, c'est Lagan, il faisait beaucoup de reconnaissance en fait. Il utilisait donc le drone que je faisais. Donc il marquait énormément de cibles. Et son boulot en fait était super important parce que du coup les zones en fait étaient beaucoup plus simples si quelqu'un marquait petit à petit tous les monstres. Là, vous allez voir que lui il est disparu. Voilà, Pulse est disparu. Et ça, c'est vachement utile. Et quand je tuais les monstres, donc du coup, lui, il gagnait aussi des points. Et à la fin, il avait quasiment le même score que moi. Alors que moi, je tuais genre 100 monstres de plus, mais lui, il avait genre 100 morts, en fait, 100 marquages. Genre 100 monstres tués avec son marqueur. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment sympathique. Donc vous pouvez vraiment jouer comme vous voulez. Donc là, pour les gens portés disparus, donc vous voyez que là, il y a lui. Donc il est dans cette zone-là. Et après, ils ont été sympas. Vous pouvez le faire en n'importe quelle difficulté. Donc ça a été sympa. Genre la difficulté où vous perdez votre personnage, elle va pas être sauvegardée. C'est pas, il faut rejouer genre en intense ou en critique si vous avez perdu votre personnage en critique. Donc ça va. Ils sont très très sympas pour ça. Donc on peut retourner en modéré et on va aller secourir notre personnage du coup. Et on va pouvoir récupérer en fait l'expérience qu'il nous a apporté. Alors là c'était un niveau 1, donc du coup il m'a pas apporté beaucoup d'expérience. Ah bah merde, c'est la dernière mission qu'il faut faire. Mais c'est pas grave. Bah voilà, c'est ça dont je parlais, les décontaminations, les nia normaux. Là la plupart du temps il y en a, voilà, donc c'est 15 quand on est à 3. Et la plupart du temps ils sont tous réunis dans une même salle. Et la fuse en fait fait un bonheur en fait. Et il met des mines, fuse, il est où fuse ? Il est là, il met des mines, il fait tout péter à l'intérieur, c'est vraiment vraiment cool. Mais on va la jouer un peu à la Call of, et honnêtement je vais même zapper les zones et arriver directement à la fin. Pour vous montrer qu'on peut le faire, voilà, tout simplement, pour vous montrer qu'on peut le faire. Donc vraiment cool, honnêtement j'ai rien à dire par rapport à la difficulté, au balancement du jeu et comment il se joue en fait. Il est très simple, ça marche très bien. Vous avez un lobby, enfin un groupe de... Il n'y a pas un lobby, mais c'est vous avez un groupe de personnes que vous invitez. Vous pouvez jouer les missions les unes après les autres, continuer, changer, faire ce que vous voulez en fait. Et ça marche très bien. Donc le sas est là, on va aller au sas. Très bien. Ah, Lyon, moi c'est le... Lyon, c'est le Call of Duty du jeu, quoi. Allez, c'est parti. Ah, mais ils sont là en plus, les nids, lol. Ils sont juste à côté. Bah merde, on pourrait faire. Ouais, on fait la truc. Très bien, plus qu'un. Il est où là ? Ah, très bien. Et il faut récupérer l'échantillon. Avance. Voilà. C'était pas du tout voulu, mais... Belle utilisation de la lame réacte. Allez, on avance. J'adore le HK de Lyon. Oh, qu'est-ce que je le kiffe. Ok, go, go, go. Pas le temps à perdre. J'adore son HK, il est vraiment cool. Vraiment, vraiment sympa. Placer des injecteurs dans le ganglion nourricier pour empêcher les... Ça, c'est une des missions les plus chiantes, la fermeture. Alors, comment ça se passe? C'est que, en fait, les nids, vous voyez qu'ils ont une sorte d'aura. Et en fait, ils vont se régénérer. Donc, je vais vous montrer ça. Vous pouvez détruire un nid, mais il repoussera tant que le nodule nourricier sera voilà. Intact.
Et ça, c'est grave, c'est très très problématique en fait si vous faites voir au tout début. Genre par exemple, les nids en fait vont être alertés, donc ils vont commencer à cracher des monstres sans arrêt. Et le truc, c'est que si vous les détruisez, mais du coup, au bout d'un, je crois que c'est peut-être 20 secondes, un truc comme ça, ils vont réapparaître. Et du coup, si vous refaites des alertes, en fait, il va constamment avoir des monstres. Et fermeture, je pense que c'est un des trucs les plus difficiles à faire quand vous avez une équipe qui n'est pas habituée, en fait, qui gère mal les choses. Et ça peut être vraiment très, très problématique. Et là, en fait, il faut aller à l'extract, il faut récupérer un dispositif. Et après, il faut aller donc au pic, là, comme sur l'image. Et verrouiller en fait la sortie le fait que ça régène les trucs. Ça régène les nids. Mais nous on va à la zone. Au sas, nous on va au sas. Ah oui, quand vous récupérez des munitions aussi, votre chargeur est rempli, donc ça c'est cool. Très bien. Je tire des plus grosses balles que toi, lol. Voilà, très bien. Pas grave, y a pas de problème. Grenade, une frag dans la tête. Et hop, on est clean, on y va, c'est comme ça qu'on nettoie. Voilà, très bien. Si vous activez la séquence de SAS, vous pourrez plus retourner dans cette sous-zone. Je sais, on n'est pas là pour faire les objectifs, on est là pour sauver notre perso, notre agent. Hop là, c'est parti. Donc là, on voit qu'on a complètement zappé en fait le laboratoire. Et ça va nous dire échouer, on n'aura pas les points, mais c'est pas grave, on continue notre mission. Tout simplement, voilà. On zappe. Impossible de savoir où les archéens ont pu l'emmener. Ah, on entend le bip bip. Gardez un œil sur l'arbre archéen quand vous libérerez notre agent. Il essaiera de vous en empêcher. Ouais, encore un mur. Faites chier avec vos trucs, hein, les monstres. Tiens, un cadeau. C'est bon, il est mort ? Ouais. Ah oui, il y a aussi un truc, parce que là, on a vu que je l'ai pas directement tué en lui tirant dessus, mais je l'ai repoussé, et du coup, ça a annulé son cri. Donc ça aussi, et vous pouvez le faire tout simplement aussi en tapant quand vous êtes au corps à corps. Donc ça aussi, c'est un truc bon à savoir. Furtivité. Furtivité avec des grosses balles. La récupération aussi d'agents, ça aussi, elle est basée en fait sur la difficulté que vous avez choisie, évidemment, mais aussi elle est basée sur le nombre de personnages dans les squads. Donc par exemple, là, je suis complètement solo. Donc j'ai, je crois, à la limite, maximum 3 branches peut-être. Ouais, je crois que c'est ça. 1, 2 et la troisième qui est là. J'ai 3 branches. Parce que là, en fait, il faudrait jouer à plusieurs, en fait, pour retirer. Donc je vais devoir... merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais devoir tirer, en fait, mon mec. Mais je vais devoir aussi détruire les points d'ancrage et éviter que les boules, en fait, rajoutent de la résistance, de l'endurance, en fait, à l'arbre. Donc le mieux, c'est de le faire à plusieurs, ça. Mais, encore une fois, c'est très bien géré pour être solo. Vous voyez, c'est très, très... très très potable, c'est très bien, là il n'y a pas de difficulté et tout ça. Ça va très bien en solo. Alors que quand vous êtes à 3, honnêtement, ou quand vous êtes à 2, si par exemple vous êtes à 2 et qu'il y a une personne qui fait de la merde, genre qui tire pas sur les points d'ancrage et tout ça, bonne chance, hein, bonne chance que votre personnage, vous allez le perdre, hein, vous le récupérerez pas du tout. Hein. Et c'est encore pire à 3, hein, si les 3 font pas vraiment du bon boulot, c'est fini, c'est mort. Donc voilà, le jeu est très très bien géré pour le groupe. Ça c'est vraiment un truc que j'arrête pas de répéter, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Oh, il y avait un truc invisible. Alors on devra s'en sortir avec le flingue. Faut juste tuer les...
Les nids, on est bon. Très bien, on va poser notre mec. Le drone effectue la reconnaissance. Grenade fragmentée. Vous voyez, ils savent pas où on est. Genre lui, il sait pas où je suis. Il y a ça aussi, je trouve que l'intelligence artificielle, elle est bien dosée. Parce qu'elle est pas, elle triche pas. Elle va pas tricher, genre vous voir à travers les murs, savoir où vous êtes et tout ça. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant. Qu'est-ce qu'elle est bien cette arme, même dans le corps, ça one shot. Genre les monstres qui sortent des nids vont pas par magie savoir où vous êtes. Donc ça c'est vraiment sympa, ça fait plaisir de voir ça. Il y a trop de jeux qui font de la merde comme ça, pour voir les stats et tout ça. Donc vous voyez, donc on a eu des points pour le premier objectif, le deuxième non parce qu'on l'a zappé, et on a eu les points pour le troisième objectif. On a eu un plus 90% parce qu'on s'est extrait, donc voilà, un bon point pour l'extraction aussi. Et on a récupéré notre personnage, notre agent. Vous voyez, ça c'est l'expérience que j'avais perdue en rouge, donc maintenant je la récupère encore une fois. Et on a secouru Pulse, c'est ça son nom? Ouais, Pulse. Et voilà. Bien sûr, il s'est pris des baffes. Parce qu'il est, quand vous récupérez vos agents, en fait, ils reviennent à 50% de vie, donc à 50 sur 100 de points. Et là, vu qu'on a fait donc une mission, ils ont récupéré des PV. Et il y a aussi un truc assez intéressant parce que, genre quand je jouais avec Gull, on a joué avec un random. Et on a vu le mec voulait s'extraire dès la première mission. Donc on s'est dit, enfin Gull a pensé que, alors le mec il veut sûrement soigner ses personnages genre. Mais donc du coup on a continué, bon le mec a fait de la merde tout le long, au final je crois que Gull a même perdu un perso, enfin après on a dû aller le secourir, ça s'est bien passé au final. Mais voilà, le mec a fait que de la merde après, bon bref. Et le truc bien c'est que plus vous faites des missions en fait à haut risque, genre les trois objectifs et tout ça, et bien sûr dans la difficulté V, plus vous allez récupérer des PV, genre des fois c'était genre 80 plus PV en fait. Donc du coup un personnage en fait va être soigné complet. Donc du coup vous pouvez toujours, on va dire, changer de perso quand vous voulez, parce qu'ils seront toujours plein de vie. Donc ça c'est bien, ça aussi il faut y penser. Pas besoin de faire une mission, de sortir directement. Non, ça marche pas, ça. Faites une mission normale, commencez pas à essayer de, genre de tricher et tout ça, ça marche pas, et puis c'est pas fun, déjà. Le jeu vous récompense extrêmement bien par jouer comment le jeu veut être joué. Donc, voilà, faites ça. Faites tout simplement ça. Après, pour la progression, donc ça s'est géré bien sûr avec l'expérience et tout ça, la progression du jeu. Et à chaque fois, vous avez des cinématiques, je crois que c'est à 5, 10, 20, 25, un truc comme ça. Ou alors, c'est peut-être à 10, à 15 et à 25. Enfin bref, il y a des cinématiques aussi à voir. Donc je sais pas si dans le codex, on peut les regarder, les cinématiques. Je pense pas. Ça aurait été bien, ça, qu'ils mettent ça, de regarder les cinématiques de nouveau. Là, j'aurai un autre truc débloqué, ça sera sûrement une autre cinématique. Si. Non, j'ai rien dit. Donc le codex est parfait. Rien à dire. On peut regarder les cinématiques. On va la zapper pour éviter les spoilers. Mais donc là, l'explication de React, c'est avec les cinématiques. Ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, on a tous les agents et tout ça. La tech et tout aussi. Donc là, j'ai tout débloqué. Il n'y a pas énormément de tech, hein, mais honnêtement, ça marche très bien tout. Après, il y a des choses un peu plus intéressantes que d'autres, évidemment. Quoi dire d'autre? J'ai parlé de la difficulté, j'ai parlé du déroulement des missions. Après, alors, pour ce qui est de durée de vie, j'ai envie de dire que je pense pas que le jeu va être extrêmement long. Si vous avez une équipe qui est sérieuse et que vous jouez genre à peu près, allez, entre 3 et 5 heures par jour, honnêtement, au bout de 4-5 jours, vous allez faire le tour. Genre moi, j'ai pas mal joué depuis sa sortie. Bon, j'ai déjà New York 100%, San Francisco 100%. Alaska, c'est de la merde, il y a ça qui me fait chier. Détruire des projectiles de tourmenteurs avec des armes à feu. Toujours pas réussi, c'est très bizarre. Enfin bref. Et Trooper Consequences, j'en suis à 57%. Ouais, c'est pas trop
c'est pas trop trop difficile, donc ça avance. Donc ça, ce sont les zones de base. Et après, vous avez des affectations spéciales, donc ça c'est dos au mur par exemple. Là, vous allez avoir en fait des assauts d'archéens, donc ils vont constamment en fait vous attaquer. Donc là, c'est plutôt... Là, il n'y a plus vraiment d'infiltration. Là, c'est plus du Call of Duty, j'ai envie de dire. Personnellement, alors, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois avec des randoms. J'ai pas pris ça en vidéo. J'ai un screenshot par contre. Enfin, une photo faite au téléphone du menu de fin. Parce que je savais même pas que sur Ubisoft Connect on pouvait avoir les screenshots. J'étais surpris parce qu'il y a beaucoup de launchers à part Steam qui le font, qui font pas les screenshots. Enfin bref. Je l'ai fait une fois, ça c'était super chaud. Et je me suis super grave amusé. J'avais pris Lyon, je tirais partout, il y avait des monstres partout sans arrêt. Vraiment fun à faire. Et j'ai gagné à peu près 50 000 points d'expérience. Donc ça, c'est vachement bien pour monter de niveau. Et c'est directement en critique. Voilà, la difficulté, elle est fixée en critique. Donc ça, c'est cool. Après, il y a le protocole Maelstrom. J'ai toujours pas testé. Je vais peut-être le faire avec des randoms au final, je pense. Mais il faut faire des points. Je crois qu'on doit jongler entre des personnages. C'est un peu étrange, mais ça a l'air sympathique. Donc je vais faire ça. Et après, ben, on a fait à peu près tout. On a fait le tour du jeu, j'ai envie de vous dire. Donc 4 grandes zones avec 3 petits lieux à chaque fois. Plus une affectation, plus le protocole Maelstrom. Est-ce que c'est beaucoup? Non. Après, j'ai envie de vous dire, le jeu, il est quand même à 40 euros. C'est pas un jeu full 60 euros, machin. Après, est-ce qu'ils vont rajouter des maps? Honnêtement, j'en sais strictement rien. Je sais pas comment Rainbow Six Siege a évolué depuis sa sortie. Je sais qu'à chaque fois, je pense qu'ils rajoutent des opérateurs, je crois. Est-ce que là, ils pourront rajouter des opérateurs? Honnêtement, pourquoi pas? Parce que je crois qu'il n'y a pas tous ceux de Siege. Après, j'imagine que ceux de Siege, ils sont genre créés, j'ai envie de dire, par rapport au PVP, par rapport à combattre des joueurs. Alors que là, c'est combattre des monstres. Donc il faut modifier leurs habilités et tout ça. Et j'imagine que certains vont être complètement inutiles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas s'ils vont rajouter des trucs. Mais pour les maps, pareil, je sais pas vraiment. Mais c'est très suffisant. C'est très correct. Surtout, c'est que tout fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème d'habilité. Il n'y a pas de problème de personnage, d'agent. Il n'y a pas de problème de map. Il n'y a pas de problème sur les monstres. Il n'y a pas une difficulté complètement absurde ou débile. Vous avez du cross-platform. Vous avez du matchmaking. Vous faites un groupe. C'est très simple. Vous appuyez là. Vous avez votre liste. Vous invitez les gens. Tout marche très bien. Il n'y a rien à dire, il n'y a strictement rien à dire. Il y a aussi une chose, c'est vrai que je n'ai même pas montré sur le coup, c'est que quand vous allez en mission, vous avez un hélicoptère au-dessus de vous qui part en fait, parce qu'il vient de vous lâcher en fait dans la mission, quoi, dans la zone. Et ça c'est plutôt cool, parce que dans Alien, c'est un truc que je reprochais tout le temps, c'est que l'Alien, dans Alien Fireteam Elite, vous commencez la mission, vous apparaissez, point barre. Genre, il n'y a pas de cinématique en disant que vous êtes... on a accosté genre le vaisseau ou la planète où on doit aller, on vous lâche ici. Genre, il n'y a rien, il n'y a pas de détails sur comment on vous a amené ici. Ça, c'est bête, alors que pour R6 Extraction, on est vraiment dans le bain, en fait. On est vraiment dans l'ambiance du fait qu'on est lâché sur une zone, il y a l'hélicoptère qui s'enfuit, qui part et tout ça, et qu'après, vous êtes là pour faire votre mission. Et si jamais ça se passe mal... Hop, vous partez à l'extraction, les gens peuvent vous récupérer quand vous voulez, vous. Et après, si vous voulez continuer, vous allez dans un sas et tout ça. C'est vraiment bien. Je trouve que c'est super bien ficelé, en fait, tout ça. C'est très, très bien pensé, tout ça. Et ça marche très bien. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de points négatifs au jeu. J'ai fait tous les... J'ai joué quasiment tous les persos. Bon, il n'y avait que lui. Enfin, lui, je l'avais fait en... parce que vous avez le choix entre trois personnages quand vous faites l'entraînement. Je l'avais testé en entraînement, c'est pour ça que je l'ai plus jamais retouché. Je pense pas qu'il y ait des personnages nuls, ou alors que des habilités ne fonctionnent pas. J'ai pas vu de bug ou de problème avec une centaine d'heures de jeu. Voilà, honnêtement, j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire de mal. C'est juste que, voilà, le jeu vous propose ce qu'il vous montre. Voilà, il le fait très bien. C'est tout, point barre. Si vous attendez plus, bah, c'est une faute. Si vous attendez moins, c'est aussi une faute. Il ne faut pas se contenter, en fait, d'avoir des choses nulles ou médiocres. Hein. Il faut quand même avoir une bonne approche sur le jeu. Et lui, il le fait très bien. Voilà, il vous donne vraiment très bien ce qu'il propose. Et ouais, j'ai strictement rien à dire sur ça. Donc ouais, ça sera tout pour ma petite vidéo, quoi. On a fait 50 minutes à peu près. Honnêtement, je pense qu'après ça, vous devriez être vendu sur est-ce que c'est pour vous ou pas.
tout simplement. Après, si vous voulez jouer avec des potes à 3, ça marche très bien, comme j'ai dit, pour inviter et tout. Les gens peuvent voir genre les études à faire, il n'y a pas eu de problème, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de problème entre les joueurs. Vous pouvez choisir où aller directement, les différents types de difficultés directement. Les agents, bien sûr, pas, vous pouvez pas avoir le même. Donc voilà, il y a ça. Non, honnêtement, tout fonctionne très bien. Tout fonctionne très bien, que ce soit solo ou à plusieurs. Donc ouais, foncez sur le jeu si ça vous plaît. Si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc, point barre, c'est tout. Il y a vraiment rien à dire. Donc ouais, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous plaira. Et à la prochaine, bonne chance si vous jouez à Extraction, le jeu est cool. Je vais peut-être faire une vidéo sur le protocole Maestro, mais l'affectation, si je pense à enregistrer en fait. J'ai testé avec les amis du Discord, mais ça s'est mal passé. mais bon, donc il n'y a pas grand chose à montrer. Mais ouais, c'est cool, honnêtement c'est cool. Ça sera tout, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.